Bonjour mes amis, bonjour les artistes congolais, ceux qui sont à la diaspora, ceux qui sont en Afrique et partout là où ils sont en train d'évoluer dans leur domaine, je vous dis bonjour et je vous demande de suivre cette vidéo attentivement en ce qui concerne ce qu'ils appellent le FESPAM. Mes chers amis, le FESPAM, dans le temps, c'était l'Union africaine qui organisait cet événement et il y avait un quota de chaque pays qui devrait contribuer pour la réussite de cet événement, pour l'organisation de cet événement. Un certain temps, un certain moment, ce FESPAM, l'Union africaine s'est retirée de cette organisation. On ne sait pas pourquoi. Mais apparemment, s'il faut bien regarder, c'est le problème de la gestion. C'est apparemment, ce FESPAM, à chaque moment, lorsqu'on organisait cet événement, ça ne manquait pas de problème. Les gens se servaient pour cet événement, remplir leur poche. Au lieu que ça soit au profit des artistes qui ont fait leurs prestations, mais c'est les gens qui organisaient, ont profité de cet événement pour empocher tout. Et à chaque moment, il y avait des dettes au niveau du FESPAM. Mais actuellement, le FESPAM est congolais. Ça ne doit plus porter cette dénomination que FESPAM. Non, c'est un festival congolais. Bon, on se pose la question, c'est un festival congolais, l'argent est sorti dans les caisses du trésor public, le trésor de la République du Congo. Au lieu de lancer le FESPAM ici à Brazzaville, comme ils ont eu l'idée d'aller lancer à Sibiti, ils vont amener l'événement à Paris. Voyez des gens qui ne réfléchissent même pas. On ne sait pas si le cabinet de Madame la ministre... Les gens réfléchissent. Ils vont prendre de l'argent ici pour amener ça à Paris. Faire quoi là-bas? Pour moi, en tant que président de l'Union syndicale des artistes congolais en cycle, Isaac, je me présente tout d'abord en premier lieu. C'est bien moi, M. Roland Dzinga Djontier, président de l'Union syndicale des artistes congolais en cycle, Isaac. Je dénonce cela.